pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre qui demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre conversion. En passant la porte sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres, comme le Père l'est avec nous. Pour le pèlerin, franchir la porte sainte signifie son désir et sa volonté d'entrer dans le salut apporté par le Christ. Je suis la porte, dit Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mes sœurs, mesdames, messieurs, mettons-nous en marche au nom du Seigneur des cieux. Excusez-moi, j'ai vu qu'il y a notre monsieur au bout du rang. Mettons-nous en marche au nom du Seigneur qui est chemin, vérité et vie. Du signe de la croix avec l'eau.
faisant mémoire d'avoir été plongé à notre baptême dans la miséricorde de Dieu, ouverte pour tous dans la mort et la résurrection de Jésus. Nous demandons la grâce d'être toujours et davantage avec un cœur purifié et un esprit plus ouvert, des instruments de la miséricorde au milieu du monde. Tous ensemble, nous disons « Seigneur, je crois en ta miséricorde. » Passons la porte sainte pour rejoindre Dieu et laisser Dieu nous rejoindre.
Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même corps. Enfin, vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâce au Dieu Père. Et prendre sur moi les
Je fréquenterai sincèrement, même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté. Et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta miséricorde repose en moi, mon Seigneur. Au nom de Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux. Présentons notre prière avec les mots de Jésus, au Père de miséricorde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, et reste auprès de ton peuple qui te reconnaît comme son pasteur et son guide. Restaure la création et les gardes renouvelés, protège-la. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre capacité à aimer d'un amour.